C'est qu'on a Makana. Is there a man here that... Makana, c'est qui? Votre ami. Venez. Vous dites que c'est qui? Hein? C'est qui? C'est votre ami. C'est un mot. On vivait en couple. Vous vivez ensemble. We're living together. Et maintenant, vous ne vivez plus ensemble. Lève ta main. Quand votre vie, d'abord, hey, vous êtes une bagarreuse. Hein? Vous êtes une bagarreuse. Quand je vois, vous êtes une bagarreuse. Vous avez le sang chaud. Vous avez une réputation de bagarreuse. C'est vrai que maintenant, vous vous calmez déjà un peu. Hein? Mais votre réputation dans le passé, c'était une katakata. Deux, je vous ai vu avec des compagnies qui ne sont pas bonnes. Vous aviez ça sentait le piment. Hein? Ça sentait le piment. Hein? Vous dites? J'ai marché avec des filles qui faisaient ça. Bon, oui, c'est ça que j'ai dit que votre... Hein? Que son... Autour, j'ai vu, ça sent, il y avait le piment rouge. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Now, let me tell you something. Dans vos nombreuses marches, il y a des erreurs que vous avez commises. Il y a des rencontres que vous avez faites. Et il y a des choses qui vous ont été faites. D'autres même, vous les avez faites sans connaître les conséquences. Mais aujourd'hui, ça influence votre vie. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne vous connais pas. Hein? Mais je vous ai vu en train de pleurer sur votre vie à cause des choses qui vous arrivent. C'est la période que vous êtes en train de traverser maintenant. Vous pleurez sur votre vie. Vous regrettez beaucoup de choses que vous avez faites. Beaucoup de choix que vous avez eu à faire dans le passé. Patrick, c'est qui? Oui, c'est Patrick. Hein? C'est lui, Mekande, papa. C'est, hein? C'est lui, Mekande, papa. C'est lui que vous avez appelé Mekande. D'accord. Il s'appelle qui? Patrick Mekande, c'est... D'accord. Jésus. Laissez-moi vous dire quelque chose. Let me tell you something. Le Dieu que nous servons est un Dieu vrai. The God we are le jeune homme, si vous l'avez beaucoup aimé, you vous l'avez trop aimé. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Hein? Pour que vous vous sépariez. Parce que l'histoire, ce n'était pas une question de rapport simple. Non, c'était une question de mariage. Le gars voulait vous épouser. Hein? Et à l'époque, il y avait même une histoire rattachée à un voyage. Hein? Vous devriez voyager. D'accord. Des choses n'ont pas fonctionné. Hein, elles n'ont pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas eu le visa. Hein? Vous n'avez pas eu le visa. D'accord. À l'époque, quand vous étiez avec Patrick, avec Pat, ah, je préfère l'appeler Pat, parce que comme ça vous l'appelez Pat. Quand vous étiez avec Pat, vous aviez une amie qu'on appelait Marie. Hein? Vous aviez une amie qu'on appelait Marie. Il y avait une amie à vous qu'on appelait Marie. A friend of yours, Mary. Que vous preniez comme une soeur. Like, hein? Sister. Comme une intime à vous. Like vous vous confiez à elle. Elle est où maintenant? Hein? Vous ne savez pas où elle se trouve. Hein? Parce qu'à l'époque, vous aviez, il y avait Marie que vous preniez comme une amie. Il y avait Clarisse que vous preniez aussi comme une amie. Vous aviez, c'était vos deux meilleurs amis. Clarisse est où maintenant? Clarisse est à toi, la agent. Elle est à Douala. Oui, papa. La dernière fois que vous l'avez vue, c'était quand? Papa, ça fait beaucoup d'années qu'on l'a posé aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle est arrivée. Elle vous a dit qu'elle est arrivée. On l'appelle comment? Clarisse. D'accord. Amen. On ne vous aime pas. On ne vous aime pas. Vous comprenez? Vous êtes une fille qui allait se marier très tôt. À 16 ans, vous devez vous marier. À l'âge de 16 ans. Mais le diable a annulé ça. Vous comprenez? Mais c'était toujours une histoire d'amitié. Vous comprenez? C'est une question d'amitié. Vous voyez, la plupart des amis que vous avez eus vous ont fait taper le dos. Elles sont même allées chez les marabouts. C'est vrai, papa. C'est vrai, papa. Pour arracher les hommes. C'est ce qui arrive avec Pat. C'est vrai, papa. À l'époque, il y avait une jeune femme qu'on appelait Jolie. Il y avait une jeune femme qu'on appelait Jolie. Et cette femme qu'on appelait Jolie, c'était une fille maléfique. C'était une fille très maléfique. Et son rôle, c'était de travailler. Bon, voilà, au nom, voilà, quand tu as ton homme, elle voit ton étoile et elle arrache. Elle vient, elle noue d'amitié avec toi. Et puis elle se rapproche de ton homme. Et puis elle arrache. Elle n'est pas mariée jusqu'aujourd'hui. Elle a détruit beaucoup de mariages pour laisser les femmes dans le célibat.
Et vous avez croisé le chemin de Jolie. Et elle vous a séparé de Pat. Avec les pratiques, la sorcellerie. Il y a un jeune homme que vous aviez croisé qu'on appelait Achille. 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 Et vous avez croisé Achille. Ça, c'était quelque chose de bref. Achille, hein? C'est celui qui me montre les vêtements, Achille. C'est lui qui vous montre les vêtements. Il est où? Il est ici à toi. On l'appelle comment? Achille. Achille, d'accord. Jésus. Vous êtes à suivre quelque chose comme Brenda. Have you heard of Brenda? A name called Brenda? Brenda, c'était mon papa. Hein? Votre amie, comme she ça. My friend. Elle est où? Where is she? On l'appelle comment? Brenda Zambo. Amen. She was called Brenda Zambo. Ha. Si tu as une femme ici, tu as laissé un marabout qui a couché avec toi, viens pardon. Ou un homme, on t'a amené chez une marabout. Elle t'a guéri par le rapport sexuel. Pardon, je vais prier pour toi. Venez devant, on va annuler. Tous ceux qui me regardent, qui sont connectés. Un jour, tu as couché avec un marabout dans le processus des soins qu'il t'a imposé. Touche ton écran, télé ou ton téléphone ou ta tablette ou ton laptop, tout simplement. Pendant que je serai en train de prier avec nos soeurs, Dieu te visitera au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, quand j'étais malade, parce que ça fait 7 ans comme je souffre des mauvaises odeurs, j'étais allée au village comme ma grand-mère sur un marabout. Elle ne parvenait pas à me soigner. Elle m'avait amené chez un crétin. Et le crétin avait dit que. Le crétin me demandait, je disais que non, vous êtes assez vieux pour moi, je ne peux pas coucher avec vous. Ma grand-mère m'avait obligé. Et quand c'était comme ça, elle était venue, elle était assise, on travaillait sur moi. On a travaillé sur moi, elle sortait ses yeux. Je ne sais pas ce qu'elle faisait avec le marabout. Et après avoir causé maintenant avec le marabout, je me sentais toujours injuste, je faisais toujours les mauvais rêves. Parce que ma grand-mère était aussi marabout. Et étant comme ça, j'étais paralysée à la maison comme ça, là, je me battais. Et vous avez couché? Oui. Et on m'a amené chez un marabout. Il a dit, pour accoucher, il faut d'abord coucher avec moi. Et ça s'est passé. Et moi, c'est. On m'avait envoyé, mais je fréquentais. Maman m'envoyait au bala, c'est là-bas qu'elle fréquentait. Après, j'ai eu une maladie. Je saignais. J'ai saigné pendant 6 mois, ça ne s'arrêtait pas. Donc, avec les copines, elle m'a amené voir. Son père était marabout. Comme ça qu'elle se passe là-bas. C'était un monsieur bien âgé. Vraiment, il faisait ça avec moi. On a mis dedans que le mouvement va s'appeler jusque-là. Ça. Il a fait quoi avec vous? Il couchait avec moi. Il a couché avec vous combien de fois? Je me rappelle que c'était beaucoup de fois. Bon, ma fille était malade. Mes parents l'ont amenée chez un crétin. Bon, elle restait là-bas. Elle me dit que la nuit, le monsieur l'a pris, le monsieur l'a amené où elle travaillait, le monsieur a couché avec elle. À l'heure actuelle, ma fille est dehors comme ça, elle s'est malade, on ne sait nulle part où elle est. J'avais les couches de nuit, j'avais les mauvaises idées. On m'a amené chez un marabout, il a couché avec ma fille, il a travaillé sur moi avec la torture. Il a? Il a travaillé encore sur moi avec la torture. Il a? Travaillé sur moi avec la torture. Il a travaillé sur moi avec la torture, ça veut dire quoi? Il a couché avec moi, il a encore travaillé sur moi avec la torture. Et il mettait la torture sur vous. Oui, il a mis la torture sur moi. Depuis ce temps-là, rien ne marche dans la vie. Depuis ce temps, rien ne marche dans votre vie. J'ai 41 enfants, Marie, qui s'est procuré rien. Je proclame, comme cette huile touche ton front, tu sors de cette prison et tu vas réussir. Les blocages qui étaient la conséquence de cet acte sexuel sont brisés au nom précieux de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la libération de ta vie a sonné. Sois libre par cette onction. Au nom souverain de Jésus. Amen. Oh.
C'est qui? Regardez une belle femme comme ça. Le diable est méchant. Est-ce que quelqu'un de... Attendez, est-ce qu'une femme normale peut faire ça? Hein? Elle ne peut pas. Parce que si elle n'est pas mariée, ça peut chasser un frère. Ça peut chasser un candidat. Donc une femme normale ne peut pas prendre le risque de faire comme ça. Si elle le fait, c'est qu'il y a une force qui la pousse et l'oblige et la soumet pour le faire. Tout hôtel maléfique est banni au nom de Jésus. Père, par cette onction et par le feu de ton onction, ce démon est chassé. Ces démons sont chassés au nom de Jésus-Christ. You are free in Jesus' name. Qu'est-ce qu'il l'eau roule sur moi. L'eau. Vous êtes enceinte. C'est quel mois? 7 mois 2 semaines. 7 mois 2 semaines. Quand l'eau coule, ça veut dire quoi? Moi, je me dis que c'est la délivrance. Parce que quand vous avez commencé à prêcher, c'est là où l'eau a coulé. Jusqu'à présent. Je vais demander à Mommy qu'elle m'explique bien quand l'eau coule. Quand... Hein? Ça s'est perçu. Mais elle a 7 mois, 2 semaines, c'est ça? Normalement, elle doit accoucher à quel mois? Est-ce qu'on accouche à 7 mois, 2 mois? Mommy est où? Mommy, est-ce qu'une femme doit accoucher normalement à 7 mois, 2 mois? Est-ce qu'on accouche à 7 mois, 2 mois? C'est prématuré. Deux fois accoucher à 8 mois. Donc, elle doit, vous voulez accoucher à combien de mois? Mommy, non, mommy, hein? 9 mois. Vous voulez accoucher à 9 mois. Venez. Want to give to bed and 9 months. Comme. Seigneur, j'arrête ce. On appelle ça écoulement. Cet écoulement. Laissez-la passer. Allow her to pass. Venez, j'ai dit laissez-la passer. I say allow her to pass. Asseyez-vous sur ma chaise là-bas. Go and sit down on my table. Levez-vous. Asseyez-vous. Sit-t'en. Levez-vous. Sit-t'en. Asseyez-vous. Sit-t'en. Levez-vous. Sit-t'en. Allez vérifier aux toilettes. Un protocole accompagné là, on l'attend. One or two. Allez aux toilettes. On l'attend, hein. Personne ne bouge. On l'attend. No one should shake. We are waiting. Allez aux toilettes vérifier. Go to the toilet and check. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ça c'est? Ça c'est? Avec toi.
Waouh, vous avez vérifié avec elle. Et ça vous fait quoi? Très content. Ça, c'est ma c'est une copine. Elle est déjà comme ma soeur. Waouh, c'est votre quatrième fois de venir ici. C'est votre quatrième fois de venir ici. Depuis dimanche, quoi. Hein? Depuis dimanche, la roman des pieds. Alors, vous allez aux toilettes. Vous avez vérifié. Et vos yeux ont vu la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que vous êtes assise, vous êtes parti. Et qu'est-ce qui s'est passé aux toilettes? Ça ne coule plus. Ça ne coule plus. Vous accoucherez à 9 mois. Dieu vient de délivrer une femme d'une fausse couche. Devant toi, en direct, à la télé, devant le monde entier, la gloire de Jésus-Christ vient de se relever. Vous êtes venu ce soir avec la boule. Oui, papa. Et là, on a prié, c'est parti. Oui, papa. Qui avait la boule? Hein? Tu avais une boule? Oui, ici au bout. Voilà, ne célèbre pas Jésus ce soir. La boule est partie. C'était visible. Oui. Et c'est parti. Parti.